Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Banter Blitz de Romain Edouard. Salut Romain. Salut Laurent, bonsoir à tous. Voilà, c'est la voix TechFraise qui est là pour voir si tout se passe bien au début et en cas de pépin, mon cher Romain, comme la dernière fois, t'as eu l'orage, on en a parlé, on rigolait bien avec JB, avec ton orage et au Oui, milieu ça me là, tient pas debout. et tes 250 points perdus, ça nous a fait bien Sur rire. des connexions, oui. Sur des connexions, ouais. Quoique tu jouais pas, c'était pas une bonne session en plus. Je jouais pas Ouais. terrible non plus. Donc les deux facteurs cumulés ont fait que tu as une session quand même assez difficile. Bon, donc sur ce, t'es chez toi à Barcelone, bien au chaud, et l'internet devrait être mieux même. Donc L'internet devrait être excellent. Il je te fait beau. laisse. Il fait beau, ouais, mais tu peux pas sortir. Ce qui est quand Mais même non. embêtant. Ou presque pas, quoi. Donc du coup, je te laisse défier, vas-y, je te laisse prendre un défi et voir si tout est en place. Et Allez, après, on je va prendre le m'éclipse. fameux Jesus Calling. Alors, Number Man, ouais, c'est mieux. Romain, il préfère. Alors, par contre, je vais changer l'échiquier. Ok. Flipboard. Hop là. Et comme ça, vous avez Romain Alors, avec sachant son qu'il petit n'est. pseudo. Eh bien, écoute, Oups! mon cher Romain, Un tout petit a l'air de bien mouse marcher. slip des familles pour commencer. Recette, ah bah dis donc, ça commence fort. Ça va, la position est Attends, fermée quand là je même. viens de jouer un coup, j'ai pris tous les chiquiers d'un coup. En prenant la bordure. Ouh là là, il va falloir se réveiller, hein. Bon, allez. Pas Pas mal, pas mal. Début mal, intéressant. Bah, roi. roi F3, G7, ça va à peu près en fait. Ça aurait pu être pire, hein. Ah, bah, largement. Ouais. Donc, vous pouvez défier alors plutôt 3 minutes pour que tout le monde puisse jouer. Mais bon, si Ouais, vraiment vous préférez 5 minutes, 3 plus 2, c'est un peu lent aussi. Donc plutôt 3 minutes, hein, voilà. bah, allez-y si vous voulez en 5 minutes. Hein. Non, tu prends aussi en 5 minutes. J'en prendrai quelques-uns en 5 minutes, mais je prendrai surtout du 3 minutes quand même. D'accord, voilà. Ben voilà, c'est lui le maître. Alors, comme d'habitude, s'il vous plaît, Romain, faites son mieux pour jouer contre tout le monde. Donc, dans le chat, on demande pas à jouer. On demande surtout, on pose des questions sur les parties, sur sa carrière, sur son prochain tournoi, qui est dans 3 ans et demi. Voilà. Et ou son prochain livre, qui, lui, par contre, est probablement arrive vite. pas si vite que ça. Écoute, il y a beaucoup de boulot en préparation avec d'autres livres. Donc pour l'instant, je mets un peu mes propres livres en stand-by, mais il y en aura. Je peux confirmer. Super, écoute Romain, tout marche bien, moi j'y vais. S'il y a un problème, tu cries TechFresh et j'arrive. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Donc oui, je crois que j'étais concentré sur ma partie. Oui, roi E7 qui s'est bien passé pour moi. Il aurait jamais dû échanger les dames en F4. Après, ça m'a donné une position confortable avec la case E5 pour le cavalier. Alors c'est vrai que sans l'échange des dames, j'avais aussi la case E5. Mais c'était beaucoup moins fun à jouer avec le roi au centre. Là, évidemment, c'est terminé. Ok, alors un nouveau défi. Mathieu Cornette. Alors, j'ai jamais joué Mathieu sur Chess24. Alors, c'est parti.
Mathieu qui semble s'être absenté, donc ça sera pour la prochaine fois. Allez. La fameuse sicilienne classique, fou E3 qui n'est pas censée être géniale à cause de Cage G4. Si on veut jouer l'attaque anglaise contre la classique, on commence plutôt par F3. Parce que là maintenant, fou C1, je devrais avoir dame B6 normalement, alors à moins que je rate quelque chose. Est-ce qu'encore une fois il fallait revenir ici aussi comme dans l'âge d'or? Je ne sais pas. Alors après E5, il y a cavalier D5, c'est ça? Est-ce que j'enferme pas le cavalier à la fin? Prise, prise, échec, ta ta ta. Je suis pas certain. Allez, on verra bien. Ah, H3, ça c'est surprenant. Du coup, je vais prendre là. Échanger les dames. Ça peut pas faire de mal. Bon, il va mettre un cavalier en D5, c'est un peu embêtant. Mais je pense que j'ai survécu au pire. Alors, un petit coup de tour B8. Pour empêcher la fourchette sans déroquer le roi, alors il peut me déroquer, mais ensuite il doit revenir. Ok. Ah, pas vu. D'accord, bon. Est-ce que je vais au moins gagner la paire de fous ici? Ok, en fait, quand même, peut-être un petit avantage de structure pour moi avec D5 et fou C5 qui arrivent. Oula, pourquoi il me donne le pion? D'accord, bon, je vais faire D5. Fou D4, pas vu. Je vais faire ça avec des idées de tour pawn D4. Alors, il peut peut-être faire C3. Je vais aller. Ah, il y a les 4. Bon. Je vais aller là, je vais éviter de me prendre une tour sur la colonne B, ça me plaît pas trop. Là, je vais reprendre du pion E, parce que sur C4, j'aimerais bien faire C5, suivi par D4. Bon, là, je vais me. Enfin, les pions G7 en prise. Bon, je vais tout simplement faire ça. Et je vais sortir mon fou. Ok, on est parti. Je pense que sur C4, C5 fonctionne toujours. Ah non, ça fonctionne plus. C'est ça que j'ai raté. Peut-être si je commence par fou B4. Ah, ça, c'est un peu embêtant. J'ai raté une petite nuance. Effectivement, C5, il y aurait. Qu'est-ce que j'ai vu? Il peut reculer le fou et tout sacrifier sur D4. Et je suis un peu embêté. Donc G5 est une grosse faute. Et j'ai plus de temps, donc je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Ok, ouais, essayer de défendre cette finale de tour qui est pas terrible, mais quand même de bonnes chances de nul parce que je suis très actif.
Je me laisse tour E2. Peut-être j'aurais dû faire tour E2 d'abord d'ailleurs. Ok, bravo. Bravo. C4, c'était bien vu. J'ai raté une petite pointe tactique. Alors, qui de nouveau? Alors, Mathieu est revenu, donc on va réaccepter Mathieu. Donc, c'est vite de me faire deux abortes. Voilà, super. Donc bon, position solide pour les noirs. Petit avantage d'espace pour les blancs quand même. KH5 bien joué. Avant que je joue un coup comme KG3, je vais faire ça pour faire tour F2. Essayer un jour peut-être de jouer F4. Alors là, il prend donc ça. Il me laisse faire G4, il n'a pas peur. Il a vraiment. Alors mais en fait, je comprends pas pourquoi il a pas peur. Parce que j'ai cavalier E4 qui va arriver quand même. Mais bon. Il a l'air de se passer grand-chose. Ah, j'ai la dame, j'ai pas vu. C'était évidemment, j'avais juste à jouer roi F2 et c'était complètement gagnant. Ouh là 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 là, il faut que je me reconcentre. Là j'avais reçu un beau cadeau dont je n'ai pas su profiter. Ça devrait être mat d'un certain nombre de façons dans cette position. Par exemple comme ça, avec tour H8 derrière. C'est complètement foutu. Donc oui, là, alors là, énormissime gaffe, c'est dommage. Allez. On va essayer d'améliorer la qualité de jeu parce que jusque-là, c'est pas la folie. Un système de Moscou, D4. Là, j'aime bien le coup dame prend D7 qui est assez nouveau. Et je vais tenter ici. Alors, dame C6 est le coup normal, mais je vais tenter F5 qui est intéressant aussi, il me semble. Qui est beaucoup plus risqué. D'ailleurs, peut-être c'est pas possible F5 ici. Peut-être c'est seulement sur petit roc ou C4. Parce que là, cavalier D5, je vois déjà pas ce que je fais. Bon, là, je vais pouvoir me développer. Ok. Okay, bon, j'aimerais le prendre cavalier E4, peut-être, ça peut être embêtant ça. Sinon, K C4. Je vais quand même roquer. K
C4, on va prendre. Et là, comment je m'y prends? Alors, je vais prendre une fois. Il attaque 5, il menace KB6. Donc, il faut que je fasse attention. Dame C6 perd un pion. Il veut venir avec, en E3 avec le cavalier aussi. Ça, c'est embêtant. Je vais faire Dame F5. Essayer de jouer un petit peu actif. Il peut me prendre D6, mais je lui prendrai C2. Alors, pas tout de suite qu'il prend D6. Donc, E3, mais là, la finale devrait être tout à fait correcte pour moi. Je vais lui faire un petit affaiblissement pour provoquer G3 et affaiblir ses cases blanches. Évidemment, il est malin, donc il ne se laisse pas faire comme ça. Il joue fou E3. Et alors, comment je peux faire ici? Ben, je vais ramener le roi. Il dit toujours qu'il faut ramener le roi au centre en finale. Bon, je vais donner la paire de fous. Ça se fait pas trop normalement, mais bon, mon roi en E6 est bien placé. Mon fou va revenir en E7. J'ai une position, je pense, relativement confortable, sans avantage. Mais bon, voilà, je vais jouer. Voilà, je vais commencer peut-être à jouer de l'autre côté maintenant. Si j'arrive à pousser à 5 B4 avec une tour en B8, bon. Je crois que A4 était peut-être un peu plus embêtant. Attention à ce pion quand même. Je vais faire ça. Ok, alors ce que je peux aller faire de ce côté-là. Un tour B5, tour D3, ouais, ça c'est un petit peu. Non, c'était plutôt tour D3 qui m'embêtait pour garder la pression sur D6. Parce que là, après fou G5, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Peut faire ça, c'était probablement la seule défense, mais ça n'a pas l'air génial. D'accord. Pas si facile. Ok, on va revenir. Donc évidemment, sur A7, je vais faire tour prend A7. Là, revenir par ici. Je vais essayer de doubler. Hop. Je vais ramasser quelques pions. Ok. Alors, au suivant. Avec Madian, l'un des habitués. Donc ensuite, j'essaierai de prendre des défis de joueurs que j'ai encore jamais joués.
Allez, G4, on s'amuse. On est là pour rire. Sur quel pont G4? Et bah écoutez, hein, on verra. Tour G1 et mat sur la colonne G. Hop. Oui, je reconnais que mon activité n'est pas non plus. Bon, voilà. Hein. Je vais jouer normal, j'évite le développement du fou E7, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y aura peut-être cavalier H5. Bon, c'est une partie de bits, on est là pour s'amuser, comme je le dis. Ok. Allez, on va essayer de faire grand roque. Là, ça commence à être compliqué à mon sens, hein, parce qu'après ce plan de C6 B5, je suis pas trop sûr de l'endroit où va aller le roi noir. Donc, tout comme dans un Gambit Moscou, peut-être le roi va devoir rester au centre, mais c'est compliqué quand même. Alors peut-être suffit de faire G6, fou E7, quelque chose comme ça, mais bon. Même en réussissant à jouer petit roque, maintenant j'ai toute une batterie sur la case G6, ça fait pas très envie. K6, il va faire C5. Je vais faire E4. Voilà. Donc la prise, il y aura cavalier H5. Voilà, ouais, en roque tout simplement. Il y a des trucs qui commencent à être un peu tentants. Je vais faire ça par exemple avec des idées de D5 et je vais essayer de prendre en G7 maintenant, pourquoi pas. Allez. L'égalité matérielle est rétablie. Alors après, comment évaluer cette position? J'en ai aucune idée. Là, mon feeling me dit qu'il faut jouer D5 ou E5. J'ai plutôt envie de faire D5 pour empêcher C4. Comment je reprends? Du cavalier. J'ai prévu de faire fou F5. J'ai aussi fou prend B5 qui est possible. Plutôt je joue comme ça. Je me demande s'il n'y avait pas qu'elle prend E3 et roi F8 ensuite. Je ne sais pas trop ce que ça donnait. Ok. On va essayer de replacer la tour. Oups, mon cavalier pas vu du tout. C'est vraiment pas la forme. Bon, je vais devoir la jouer autant, salement. Pas très glorieux.
Alors avec aucun temps à la pendule, cette position, c'est quand même un cauchemar. Bon, pas mal de bol dans cette partie, plusieurs erreurs, donc plutôt du 3 minutes, hein, je vous rappelle. Nimzo. D5, un coup assez rare, mais je sais même plus s'il fallait prendre un D5 ou pas. Vais jouer normal. Et on va se faire une petite finale probablement. L'échange en D2 peut ne pas être mal pour parfois recycler le cavalier vers la case D6. Bien qu'il va mettre le roi en E7, ça va pas être la folie non plus. Ok, sans les changer d'âme, j'ai peut-être quand même. Voilà, mon fou est supérieur, disons. Okay. C'est bien joué, éviter des idées à base de cavalier G5. Moi, je vais éviter des idées à base de cavalier D4. Et je vais essayer de recycler mon canasson. Alors, c'est pas mal. Allez, on va échanger les dames. Ça fera plaisir à Techfraisse. Enfin, proposer l'échange des dames. C'est déjà bien. D'accord, alors là il me donne ce pion, je vais le prendre. Alors c'est vrai qu'il peut prendre en gelée, il peut liquider un certain nombre de pièces et de pions. C'est peut-être nul, ça l'est peut-être pas. C'est probablement nul quand même. Mais je vais essayer de la jouer. Après B6, ça va être compliqué de la jouer quand même. Ouais. Garde les cavaliers, c'est bizarre. Même si évidemment c'est complètement nul, mais pourquoi garder ces cavaliers? Ça me donne une chance d'un peu plus tourner en rond. Ça me donne une chance de me prendre une fourchette peut-être aussi.
J'évite cavalier E4. Je vais faire un petit échec. Venir là. Ok, il prend E3. Pas vu. Mais je viens là. Voilà, de toute façon, avec le temps. Ouais, bon, désolé, là c'était le temps. Je lis le chat de temps en temps, donc bonjour, oui, bonjour à tous. J'ai joué tour 2 avant tour pour H7, désolé, je ne me rappelle plus de la position. Je dois lire le chat un peu plus souvent. Bonsoir Sergueï. Alors, mon adversaire n'est pas là, donc on va prendre un nouveau défi. Ok, je vais tenter une variante un petit peu douteuse. En ne roquant pas, je vais jouer que E5 et je vais jouer pour l'attaque. J'ai gagné une partie comme ça en Bundesliga, mais en réalité, à un moment donné, j'ai sacrifié une pièce et ça marchait pas. On n'avait pas vu pourquoi ça marchait pas, mais c'était bien le cas. Fou G5, c'est malin parce que normalement, j'aimerais bien prendre F3 et faire dame H4 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais juste revenir en G7. Le cavalier est pas si mal parce que je vais roquer, je vais essayer à un moment donné de faire F5. Ah, j'aurais peut-être dû faire fou G5, il m'a donné l'opportunité. Je vais le faire maintenant. Ça devrait être un échange pas mal pour moi. Quoique fou E5 est intéressant aussi. Okay. On va jouer tranquillement. Alors, j'avais dit que F5 c'était mon idée, donc c'est parti. Allez, bon, il me laisse faire F4, je vais le faire. Ça me donne une belle case E5. Et puis je vais essayer de faire G5, H5, G4. Mon cavalier en G7 est pas mal placé pour soutenir H5. Ça, j'aime bien. Là, je vais mettre la dame en E5 avant qu'il y ait le problème avec E5 de la part des blancs. Ah, il s'infiltre, mais. Ah, je vais me prendre le cavalier en C4. Alors, ça, j'aime pas. Ça, j'avais pas vu. Je sais pas si je pouvais l'éviter. Bon, allez, on va. Tant pis, hein. Problème, c'est que le cavalier prend le 5 en pèse G4. Ah, ça, c'est bien vu. Pas vu non plus. Décidément, je vois pas grand-chose ce soir. Comme d'habitude. Allez, on va partir par là. Là, il est en train de me retourner comme une crêpe. Bon, je vais essayer d'attaquer, mais. Ouh là, je vais me prendre D7 et tour H6 mat. Il faut que je fasse attention. Bon, je vais faire ça. J'ai tout en prise, j'ai E5 en prise, c'est la catastrophe. Ouais, ça c'est pas mal.
Mais là, il y a tout qui gagne. J'ai très très mal joué. Très mal négocié cette partie. Ici, comme je le disais, tout gagne. Même à jouer autant, ça va pas être possible. Ouais, ça c'est convaincant. Ça aussi c'est convaincant. Ok. Ok, bien joué. Alors, qui sera le prochain? Alors, avec un pseudo pareil, obligé d'accepter. D'accord. En général, on joue plutôt fou à 4 ici. Ouais. Je vais faire ça parce que D4, il y aurait eu prise et du fou B5. C'était bizarre de donner ce fou. Là, je peux faire C4, je sais pas si c'est mieux. Bon, je vais faire G6 tranquillement. Faire quelques échanges, essayer d'ouvrir la colonnade, rentrer sur A2. Alors, il veut pas. Je vais chasser son fou. C'est de venir par là. Ok, les deux fous, moi j'aime bien. Je vais faire ça, même si ça ferme mon fou, je veux faire F5 derrière absolument. Dame 7. Et on va envoyer F5. Alors, il peut y avoir du D4, des trucs comme ça qui traînent, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je me défends calmement. J'ai envie de jouer F4 s'il me laisse faire. Si Dieu le veut, comme ils disent dans La vérité si je mens. Alors Dieu le veut apparemment, donc je vais le faire. Je me demande si ça va pas ramasser une pièce d'ailleurs. Comment est-ce qu'il défend son cavalier? Ouais, effectivement, n'y avait pas de défense. Alors, au suivant.
Allez, King, un habitué. Enfin, une Sicilienne ouverte, j'ai le droit qu'à fou B5 échec depuis le début. Ah non, une fois j'ai une Sicilienne ouverte, c'est vrai. Ok, c'est 6, j'ai le droit à fou E3 et fou C1 ensuite. De nouveau fou E3. C'était déjà les kings tout à l'heure ou quoi? On va refaire ça. Bon, là, en 3 plus 0, une avance au temps. Alors, ça, c'est un coup bizarre. Je crois que j'ai gagné du matériel ici. Ok, mon F2 était pas mal non plus, mais ça a l'air assez convaincant. Mon fou B5 m'avait été joué avant et ça avait l'air meilleur. On ressort ce cavalier de 1. C'est toujours une bonne chose. Essayer d'embêter mon adversaire avec sa dame en G4. Ouh là là, j'ai pas vu dame E2. Heureusement, le D5 protège la dame. Ok. Est-ce que je change? Bon, je suis en train de faire tellement de gaffe. Mais j'ai une tour d'avance, du coup, j'arrive pas trop à comprendre la philosophie de l'échange des dames. Ah, pourquoi je fais pas qu'il y ait des 4? On ne sait pas. Une fois le cavalier ressorti, ça devrait bien se passer. On va passer le fou sur l'autre diagonale. Toujours une tour d'avance. Ok. Nouveau défi. Bravo à Van Bacharach pour sa partie à 99% de précision et aucune erreur. Bah écoute, on a le droit de faire une bonne partie. Alors, on va refaire ce G4.
Et on va accélérer le mouvement parce que j'étais en train de regarder le chat. Ok. Je sors mes pièces. Essayer là d'aller récupérer G7 tout simplement. J'ai récupéré le retard au temps, ça c'est une bonne nouvelle. Alors ici je voulais faire K B5, mais il y a Dame B8 tout simplement, et j'ai l'air idiot. Vais plutôt faire ça. Essayer d'échanger ce cavalier, d'installer un cavalier en E5. Alors, est-ce que ça donne pas une pièce? Peut-être pas. Je vais la jouer simple. Je vais rendre une tour et reculer la tour G7. Et je vais jouer avec deux pièces. Deux pièces pour la tour. La case E5, la dame a un petit peu excentrée. Est-ce que j'avais pas du dame B4? Ah, j'avais peut-être dame B4 échec et dame E7 qui matait. Je viens juste de m'en rendre compte. Cela dit, la menace est toujours là. J'aurais peut-être pas dû le dire. Alors du coup, est-ce que maintenant je commence par échec? Maintenant, ça a l'air plus simple de commencer par échec. Ok. Alors, une partie en 5 minutes pour changer. Mais je rappelle, défiez-moi plutôt en 3 minutes. Et bon, elle a une sicilienne un peu bizarre. Tête D6, c'est pas génial. Il peut prendre E5. Mais j'aurais. Peut-être j'aurais qu'à D5, je sais pas. On va plutôt la jouer comme ça. Et comme ça. Structure de pion un peu inférieure, mais je suis une position active. Un petit avantage blanc sans doute quand même. D5,
Dame à 4, alors ça me paraît risqué. Essayer de bloquer ce fou avant qu'il ne revienne. Ok. J'ai rien vu de mieux. Je pense qu'il va prendre en E4 quand même. Je vais faire ça. Bon, mon fou H3 est un monstre, hein. Ça, je crains pas trop à cause de E5. Même les finales, je crains pas. C'est peut-être un peu précipité avec fou F4 parce que là, fou C1 m'a l'air d'être obligatoire. Et moi, je vais lancer mon attaque. Alors, dame B7, il y aura dame B3. D'accord, donc je vais juste cacher mon roi. Oula. Cadeau. J'imagine que dame A6, si vous voulez jouer. Ouais, j'imagine que tu voulais jouer dame A6, mais je pense qu'après tour B6, suivi par dame B7, c'était de toute façon terminé. Ah, peut-être pas terminé. Ouais, non, terminé, c'est exagéré. Ouais, dame A6. Ouais, ça joue encore. Bon, j'ai de belles compensations. Ouais. Ok, désolé. Désolé, Sergueï. Alors. Défi suivant. Ah, j'ai pris un membre non premium sans faire exprès. Alors je vous rappelle que normalement je n'ai pas le droit de prendre des membres non premium. Là, j'ai pas fait attention, mais je ferai attention la prochaine fois. Donc si vous voulez jouer, il faut absolument avoir un abonnement premium. On va faire ça. Évidemment, il y a dame B6 pour éviter de perdre une qualité, mais c'est 5 et je vois pas de casse pour la dame. Il est temps de se développer. J'aurais pu prendre 5, mais j'ai déjà gagné une qualité. On va pas être trop gourmand non plus.
Pour la cadence, Vincent Brasseur, 3 minutes KO, si possible. CPUCA, j'espère avoir la chance d'être sélectionné. Je vais essayer de jouer contre toi. Ok. Pour jouer cavalier H4, alors je vais faire un petit H3 intermédiaire, qui me semble très important. Cavalier H4 quand même, mais évidemment c'est plus tout à fait la même. Maintenant je vais essayer peut-être de ramener ma dame en défense. Ouais, ça c'est pas mal joué. Hop, j'ai essayé moi aussi de faire quelques menaces. J'ai pas vu de match, j'espère qu'il n'y en a pas. Ça devrait être une bonne nouvelle. Ouais, ok, c'était foutu de toute façon. Alors. Alors, CPUCA, s'il te plaît, plutôt en 3 minutes plutôt qu'en 5. Sinon, j'aurais pas le temps de jouer beaucoup de monde. Sauf si tu préfères vraiment en 5 minutes. Oui, effectivement, JB. Je vais tout de suite profiter pour dire que ça serait le premier et le dernier. La faute professionnelle, faute grave. La faute grave n'étant bien sûr pas d'accepter de jouer un joueur non premium, mais le fait de ne pas être premium, c'est évident. Alors, G6, normalement, c'est censé pas être très bon à cause de fou prend F6. Là, on a une dragon. Le fou est passé de E3 à G5. C'est censé être plutôt pas mal pour moi. Des petites tactiques sur case noire, parfois, peuvent arriver. D'ailleurs, ça commence à être pas loin. Alors, est-ce que ça peut marcher? Allez, on s'amuse.
Est-ce que j'avais F6 au lieu de reprendre le cavalier tout de suite? F6 aurait été plutôt malin. Ok, je vais jouer calme, je vais rendre la paire de fous. Je vais plutôt jouer sur l'harmonie de mes pièces, le roi F7, la tour en C8. Meilleure structure de pion. Essayer d'enfermer plus ou moins la tour. Ok, je garde des pions. Je suis radin. Allez, peut-être il fallait simplement échanger les tours et faire roi à 4, je suis pas sûr que ça gagnait. Dame, c'est sûr maintenant que ça gagne. J'ai pas dit que c'était évident, bien entendu, mais ça gagne. À le temps. Ok, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Alors, je regarde un petit peu qui n'est pas encore joué. Alors, désolé si je rate certains, il y a beaucoup de défis. Allez, on va jouer contre Michael Tal. A5, qui n'est pas un coup de blitz, qui est un coup qui a été joué, qui était conseillé par Hare Krishna, qui estimait que
qui estimait qu'à 5 à 4 était bien pour les noirs. Que ce soit les noirs qui arrivent à jouer à 4 ou que ce soit les blancs qui jouent à 4. Alors les finesses, me demandez pas, hein, c'est pas mon ouverture. Déjà que même si ça l'était, il faudrait se méfier de mes réponses. Fou F5, c'était pas très inspiré. Tu vas aller par là-bas. Ok. Bon, finalement, pion D est cloué, le cavalier en H4 un peu excentré. Bon, j'ai pas d'avantage, mais voilà. Ça doit être à peu près égal. Ouais, ça c'est bien vu. Mon fou que je pense quand même un peu supérieur au cavalier. Je vais faire B5 ici. Ouais. Je vais essayer de ramasser les deux, même si ça va pas être évident. Tu veux une finale de tour, on va jouer une finale de tour. Ah tiens, je vais prendre. Il y avait tour D8, bon alors là par contre, c'est la même.
plus qu'à pousser. Ok. Donc s'il vous plaît les défis à Frozygoule, évidemment. S'il vous plaît les défis que des membres premium et de préférence en 3 minutes KO. Je vais allumer la lumière. Je sais pas si ça fait une grosse différence, mais allez H4. On est là pour s'amuser. On est retombé dans les fameuses parties Vacher-Lagrave Gritchouk. Allez. Bon, je prends l'espace. Et on va faire ça. Dans l'esprit d'un bandit Benko, je peux accepter. Attention à KSS7 échec qui traîne. Attention à la pendule aussi, mon Frozy. Alors ça me plaisait bien pour moi. Simplement F5. Mon fou en C3 est super. Puis en H7 en l'air. Est-ce que je prends ou pas? Non, j'ai vraiment envie de garder mon fou quand même. Je vais faire roi 2 tranquillement.
Attention, petit piège. Hop. Slope la tour, comme dirait Libby. Alors, défi suivant. Dangerous ride. Aïe aïe aïe, Frozy. J'ai une bonne Benoni en principe, puisque j'ai réussi à pousser à 6B5. D'un autre côté, mon fou en B7 n'est pas forcément génial. Attention à DE5. Alors, cet échange-là, il me plaît bien. La case 6, ça m'avait un peu échappé, je dois reconnaître. Mais c'est pas très grave. Peut-être que si d'ailleurs. J'ai très très mal joué les derniers coups. Ouais, ça c'est un peu ennuyeux, je dois bien le reconnaître. Alors, c'est un peu artificiel, mais je vais faire ça. Et je vais la jouer autant, comme à mon habitude, brillamment, avec panache, dans ma poubelle, après une partie catastrophique. Il n'y a que le résultat qui compte. KH5, bien joué. Alors, je suis pas fait mater pour le moment, c'est déjà pas mal. Allez, on va faire ça. Ça. Oula, ça sent le craquage.
Alors, tour H6 qui aurait pu être tenté au lieu de tour prend D6. Si je prenais cette épate, évidemment j'aurais joué roi G8. Alors, c'est plus c'est à qui a demandé en 5 minutes. Alors, j'accepte un 5 minutes de temps en temps, mais ça sera très rare parce que ça prend des parties aux autres. Position assez classique. Je vais jouer l'attaque de minorité. Oups, je vais jouer B4 évidemment. Okay. Je vais essayer d'échanger les dames à la tech fraise. Non, tout compte fait, je ne vais pas jouer à la tech fraise. Je vais jouer aux vrais échecs. Pour le moment, en tout cas. Allez, la tech fraise. Ok. Je vais. Faire un petit coup de fou par là. Pour aller en B3. Bon, il fait ça. Intéressant. Je vais faire fou B3 quand même. Allez. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit A5 de raté quelque part. Ouais, mais maintenant c'est un peu tard. Hein. Alors, déjà joué, déjà joué. Je vais essayer de prendre pour l'instant quelques nouveaux. Alors, plutôt du KO, pas du 3 plus 2, sinon ça peut s'éterniser. Allez, ça ne me dit rien.
Oula, c'est cadeau ça. Je pourrais jouer dame à 6, mais j'ai plutôt envie de. Bon, je vais faire dame à 6. Ouais. Alors. Allez, on va jouer pour l'espace. La case F5. On va s'installer. La paire de coups, c'est souvent bon à prendre. Et je vais jouer un petit coup tranquille. Ça commence à être suspect tout ça. Est-ce que le pion est en prise? Oublié. C'est pas pris. Je vais le défendre alors. Il a dû me faire confiance, il aurait pas dû. Là, j'ai raté un gain. Peut-être tu vas me laisser le refaire au prochain coup. Ouais, il me laisse le refaire avec Dame G7 mat qui traîne. Misclic, je voulais jouer F6, ouais. Mais moi, j'ai raté KD5 au coup d'avant. Merci.
Aïe Vincent, je vois que tout le monde se connaît par son petit prénom ici. Ah, c'était Vincent Brasseur, du coup, forcément, c'est facile. Oui, tu gagnais un pion et il fallait bien le prendre. Alors après, c'était peut-être pas si clair, hein, j'ai la paire de fous, mais c'était quand même un pion, c'était quand même un pion en un coup. On va faire ça. C'était fou. Est-ce que j'ai pas une petite tactique ici, genre ça? Alors, défi suivant. Cette variante avec laquelle Michael Adams m'a fait très mal à Bienne, en blitz. Bon, y a beaucoup de monde qui m'a fait du mal à Bienne en même temps. J'ai sacrifié le pion E4 pour faire tour 1 D4 et profiter d'une avance de développement. Faire ça. Et ça. Ça m'a aussi un peu bizarre avec le fou en A4. Bon. Ah, il y en a qui le voient quand je donne des pions. C'est pas normal ça.
De nada, Pato Bengoa. Il m'a rendu le pion, j'ai la paire de fous, une bonne structure. J'ai pris l'avantage. C'est un petit coup de bol d'avoir ce quai D5 tour D1. Je vais revenir ici. On peut faire ça. Je commence à faire n'importe quoi. Enfin, je continue de faire n'importe quoi. Ok, ça pourquoi pas. Ouais, je vais juste. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Vous savez quoi? Allez hop. Marche pas du tout, mais c'est pas grave. On s'amuse. Et de toute façon, je n'aimais pas trop ma position. Donc voilà. Alors, aïe. Ah. Bien joué. Très mauvaise partie de ma part, mais t'as une très bonne partie de la part de mon adversaire. Allez, océan Indien. Alors, on va essayer d'attaquer les pions centraux, déstabiliser un peu le jeu des blancs.
Elle me le donne. Pas de Japon. Je reviens. Là. Oups. Désolé. Tu as droit à une revanche si tu veux. Okay, je te laisse quelques secondes pour accepter, sinon peut-être plus tard. Allez, je change. Voilà, c'est les tactiques dans tous les sens. Sais pas ce que ça donne. Dame C8 ou Dame B8 ici. Dame B8 protège le 5, pourquoi pas. C'était pas trop le but, mais je vais aller chercher ça. Voilà, quand même la paire de fous. Le pion G2 qui peut tomber. Pièce noire, pas trop développée. Mes deux pions. Avec la menace tour D7 qui est un petit peu gênante. Je repère une pièce avec F4, c'est rigolo comme position. Du coup, je vais faire F4 moi-même, à moins que je fasse F3. Je vais plutôt faire F4. Je pense que je suis pas pressé. Tour 2, il y aura peut-être fou F3, donc je vais aller là. J'aurais pu faire tour D8 aussi, ramasser une tour. J'aurais pu faire 2-3 petits trucs. Bon, ça, je vais encaisser.
Bon, avec une pièce et l'activité, ça devrait aller. Aussi une tour. Alors, si on enlève les trois pièces de la dame des noirs, c'est pat. Mais avec ces pièces, il risque d'y avoir mat plutôt avec H4, H5. Alors. Roman B, je crois que j'ai jamais joué. Merci, Panzerblitzer. Rigolo comme position. Victor C1 qui arrive. Bon, j'ai un pion de moins, mais voilà, la mauvaise structure à l'aile roi. Même les finales, j'aurais des très belles compensations. Si j'arrive à passer madame de l'autre côté, c'est encore mieux, mais c'est pas si facile. Je vais essayer de faire ça. Ça, c'est un peu embêtant. Je vais essayer ça. Ça me plaît pas des masses. J'ai plutôt peur de pion prend F5 et dame A6 ou dame A6 d'abord. Bon, roi va partir vers F3. Ah, il y a dame D3 échec, je n'avais pas vu. Mais bon, roi F3, ça n'a pas l'air très grave. Ah, mais après, il peut prendre mon fou E6. Heureusement, le temps est là. De toute façon. C'est une partie rigolote.
Encore fois trois. Là, ça me ramène un pion au centre, ça force le fou E3 à bouger, ou pas, mais bon, dans ce cas-là, il est donné. J'obtiens déjà une bonne position. Même une excellente finale. Dame B6, le coup préféré de votre animateur préféré, Monsieur François. Ah oui, mais Najdorf, Najdorf Master, tu me demandes de jouer une Najdorf et tu mets une photo de Grichuk, tu me fais peur, moi. Tu joues contre Nicolas Lassab, qui était avec moi Absolument, monsieur François. dans mes jeunes années, que je connais depuis 30 ans, t'imagines? 30 ans. C'était 30 tes ans. jeunes, c'était tes jeunes, c'était tes jeunes années, ça? T'étais déjà assez vieux, non? J'avais 28 ans, déjà à l'époque. Alors, ça se passe comment? Ah bah écoute, ça joue pas terrible, hein. Je parle de moi, évidemment. Mais bon, on s'en sort, on s'amuse bien, on se marre bien. C'est tout ce C'est qui compte, essentiel, hein. hein. Ah ouais. Et là, t'es pas si... Ça Ah, va? non, là, je suis mieux, pour une fois. T'es mieux, mais bon. Pour une fois, je Ouais, suis remarque, c'est vrai qu'il y a tour G8 et compagnie qui arrive. Pas facile à jouer. Alors, t'as vu un petit peu Naka, du coup, petite surprise quand même, hein? très rapidement, mais ouais, ouais, c'est chaud cette finale, finalement, hein. Ouais. C'est très chaud. 2-7-1, on le rappelle, pour Nakamura face à Magnus. Demain, même horaire que tous les jours, 15h45. Pour la quatrième manche. Alors Et alors, tous les sets deviennent il y a décisifs. six manches en tout, hein, c'est ça, Non. Laurent. Ah non. Il y a premier arrivé à 4. Donc il peut y avoir 7. Ah. Comme la NBA. Premier arrivé, d'accord. T'aimes bien la NBA? Pas spécialement, je suis Non, pas vraiment. moi non plus. Ouais. Ben Ça en fait, m'attire les pas bien. playoffs, ça se joue Non, je connais tout le système, les équipes, tout Ouais. ça, mais je la regarde pas, quoi. Ça me passionne pas plus que ça. Mais ouais. T'as ramassé une pièce du coup. Donc, ouais, ça dépend de Magnus là du coup. Ça va 2-1. Donc, 2-1, ouais, ça va. Bah, au minimum, il y a 5-7. C'est probable qu'il y en ait plus, hein. Je vois pas Magnus se prendre les deux prochains là. Mais bon. Ouais, qui sait? Qui sait? C'est vrai. Naka a l'air fâché. Ouais, il joue bien. Ça, y a pas à dire. Bon, là, tu vas mater, je pense. Oh là là, il pre-move et tout, t'es injouable. Là. Oh là là, tour, Je oh là là. prime la tour. Alors, est-ce que j'en fais une dernière, Laurent? Allez, vas-y, t'as le temps pour une petite dernière et après, on ferme. On Allez. ferme, chers amis. Ah, tu fais pas de bullet en fait là. Ah non, tu J'aurais fais des bien 3 fait un bullet. minutes. J'aurais pu faire un bullet. Fais un bullet. T'as un truc en bullet et après on y Non, va. j'ai pas de défi en bullet. Ah, Alors, le d'accord. premier qui me défie en bullet est accepté. Allez. Il y a un petit décalage avec le chat. Ah. Madiane, on l'a pas raté. Madian, il est toujours là. Fais attention, Ça Madian, il y croit à fond, hein. méritera un mug, hein, d'ailleurs. Un mug pour Pour avoir gagné le Madian, tirage tu au sais. sort. Hein. Pour avoir été le plus rapide. Il a reçu un t-shirt, Madian. Ah bon, ça va alors. Il est content. Ou un polo, je sais plus. Un t-shirt ou un polo. Un t-shirt Go Fuck Yourself.
Non, 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 Ah ouais? il a un vrai t-shirt Chess 24 et tout ça, il était hyper content. Ah, il y en a qui ont du bol, hein. Et il me l'a réclamé, alors il me le réclame, et alors quand je lui dis que je l'ai envoyé, tout ça, je lui demande quelques jours plus tard, c'est bon, tu l'as reçu? Il me dit oui, j'ai reçu, il m'avait pas envoyé de message. Oh bah dis donc, Ah, j'étais les là. ingrats, quoi. Ouais, bah il est Ah, sympa, Madiane, quand même, il est sympa. vraiment tous des ingrats. Très mauvais au fantasy, Madiane. Très, très, vraiment, absolument, les paris, faut pas lui demander, il perd une pièce en plus. Mais bon joueur de bullet. Voilà, dans cette partie, ça va être juste. Fais attention, il a Bon joueur une de bonne boulette, accélération. en général. En général, pas sur celle-là. Mais attention, il y a une bonne accélération quand même. C'est vrai que celle-là, elle est dure. Mais... Ouh, le pion. Oups, le pion pion, ouais, mais alors derrière, ouais. Ah, la Attends, Dame forteresse. prend. Oh là Merde. là. Oh, bien joué. Oh. Bon, ça va, c'est pas proche d'une forteresse là. Ah. Non, non, c'est pas une forteresse, mais par contre, le temps est un petit problème. Ah, je t'ai dit, hein, il joue vite. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Tu vois comment il joue vite? Injouable, hein? Oh! Aïe, 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 Trop aïe. chanté. Mais tu vois, il a plus que toi des lots en bullet. Ouais. C'est à moitié étonnant. Trop vite, j'ai pesé complètement bien au F4, bien vu. Ok, Ouais. bon, bah, c'était sympa en tout cas. Toujours un plaisir. Désolé aux joueurs à qui j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de défis ce soir. Donc, je suis désolé pour ceux, pour les gens que j'ai pas pu jouer. J'essaie de retenir pour la prochaine fois. Ouais. Et voilà, bonne fin de soirée, bonne fin de tournoi, de commentaires à JB, à Laurent, à toute l'équipe. Et puis voilà, j'en espère Merci. que Magnus va se refaire un peu quand même, hein, disons-le. Bah oui, hein. Ici, t'es obligé un peu de dire ça, hein. Sinon, c'est mal vu, hein. C'est vrai, mais Il y a que des supporters de Magnus dans le chat, hein. en plus, il se trouve que je le pense, du coup, c'est assez facile. D'accord. Hein. Ok. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Romain. Et à bientôt tout le monde. Bonne soirée. Bonne Ciao, ciao, à soirée, demain. au revoir.